Alors, je te donne mon nom d'artiste parce que ça, peut-être tu l'as jamais vu. Quand je fais de l'art plus petit comme ça, c'est l'art de Lupin. Ça s'appelle les dossiers de Lupin. L'art de Lupin. T'as vu les Champs-Élysées recouverts de verdure, les Champs-Élysées recouverts de fleurs, tout ça, c'est l'art de Lupin. Une fois, j'ai fait dans Paris l'apparition d'énigmes. Sur toutes les terrasses de café, vous trouviez des énigmes de Lupin, avec des endroits où aller pour voir un peu ce que j'allais faire. Vous avez vu la scène qui était recouverte de lumière. Puis dans le ciel, des avions qui sont apparus pour faire apparaître des choses, étaient des objets qui sont tombés du ciel et qui ont couvert de paillettes dorées, de milliers de paillettes Paris, avec signé Lupin. Lupin va vous voler quelque chose. Par exemple, Lupin vous vole votre mauvaise humeur, ou Lupin vous vole votre cœur. Parce que vous allez finir par aimer Lupin. Lupin, c'est moi. Lupin, c'est moi avec. Je ne fais pas ça tout seul, hein, je vous rassure tout de suite. Je fais ça avec tout bon mess. Et pourquoi on fait ça? Parce que les journaux en parlent. Et qu'après, nous, on vend des magazines en disant Enquête sur Lupin. Qui est Lupin?